Pour cette vidéo, je suis accompagné de Asna. C'est bon, j'ai plus besoin de vous la présenter. Il y a aussi Waria et Nico que vous avez déjà vu à ma vidéo cache-cache au bout du monde, ainsi que la toute première vidéo Urbex qu'on a fait ensemble. Et toute nouvelle sur la chaîne, il y a aussi Claudie. C'est parti pour une grosse exploration. Yo tout le monde, c'est Piwer pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui je vous invite dans cette vidéo à découvrir de l'Urbex. Deuxième vidéo Urbex sur ma chaîne, la première toujours disponible, n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas fait. Aujourd'hui on a un lieu pépite à aller voir. J'espère qu'on va pouvoir rentrer parce que c'est de l'Urbex. Donc si c'est pas ouvert, on rentre pas. C'est une des règles principales. On ne touche à rien, on dégrade rien. C'est une des règles principales que je respecterai. Sachant que moi c'est pas mon domaine principal. C'est un domaine que j'explore comme ça de temps en temps. Mais que je suis pas professionnel. Donc si vous êtes pro d'Urbex, me jugez pas. On partage, c'est juste pour faire découvrir aux gens. Donc j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et puis c'est parti, kiffez bien. Ok, donc là on est arrivé sur le site d'une usine abandonnée depuis plus de 15 ans. Je sais pas si on va avoir accès ou pas. On va voir ça tout de suite. Wow. Là-bas il y a un bâtiment. Là il y a des conteneurs. Ici il y a une espèce de maison. Je pense que c'était les bureaux. Là-bas il y a encore une usine. On a une grosse cheminée sur le côté. Et je crois qu'il y a une autre usine derrière. C'est énorme. Il y a vraiment pas mal de choses à voir. Donc bah go hein. Il y a des endroits où les pompiers ils simulent des feux de maison ou des trucs dans le genre pour s'entraîner. Ça fait peut-être partie de ça hein. La partie là où on est en fait c'est tendu et tout. Apparemment ils utilisent le bâtiment. Mais par contre là-bas c'est pas entretenu du tout. Donc là-bas c'est vraiment la partie de l'usine qui est vraiment encore abandonnée à ce jour. Et pas réhabitée. Mais comment on va faire? Mais comment vous avez fait? Alors, bon, bah voilà, il y a un passage. J'ai l'impression que c'est une espèce de quai de déchargement ou je sais pas quoi. Je sais pas. Ça fait vraiment un quai de. Ouais. Il y a tellement de possibilités que je suis sûr de rien. C'est ce bâtiment là qui nous intéresse. Je pense qu'il y a pas mal de choses à voir dedans. Il y a un gros renfoncement tout le long en fait. On peut faire une piscine, hein, piscine olympique. Hein. C'est quoi ça encore? Mais attends, c'est encore un bâtiment de... Mais ouais, il y a combien de bâtiments? Oh, et l'arbre là, il doit avoir au moins 100 ans le bordel. Ouais, ça m'a l'air d'être vide. Putain, mais les fenêtres du bas, ils ont mis des parpaings carrément. Mais oui, regarde, en bas et tout, ça veut dire que ça va être chaud à rentrer. Ah oui, ok, donc là, il y a ce bâtiment là, et il y a encore un autre bâtiment. Eh mais attends, mais à l'intérieur, heureusement on a pris des lampes. Ils ont essayé de soulever avec la planche. Ils ont essayé de lever avec une planche, tu vas me dire? Ils ont dû abandonner l'idée. Non mais à mon avis, il y a un passage ailleurs, c'est sûr. Le truc il est exploré tout le temps, ça se voit. Il y a un pont et tout. Carrément ils ont une rivière dans le bordel qui passe. Tout en dessous. Ce bâtiment là il m'intrigue. C'est quoi l'entrée? C'est foutu comment? Oh, oh c'est énorme. C'est énorme. Ce bâtiment là et celui là là, il est énorme. Et dire que tout ça c'est à l'abandon depuis 2014. C'est 2014 c'est ça? Ouais, la porte. Ah oui la porte. De quoi ils ont fait quoi en 2014? Ils ont détruit tous les bâtiments autour, parce que de base c'était deux fois plus grand. Ah oui. Ouais, du coup c'est abandonné depuis un peu plus longtemps je pense. Ouais donc c'est abandonné depuis avant 2014, mais en 2014 ils ont détruit des bâtiments qui étaient déjà existants. C'est-à-dire là on voit une espèce de muret de briques. À mon avis il y avait carrément un bâtiment entier ici. En gros ils ont déjà commencé à détruire certains bâtiments. Oh, le nombre de chauves-souris qu'il doit y avoir là-dedans. Wow. Moi, je pense que ça devait être leur hangar de stockage. C'est géant là-bas. Ok, on serait pas passé par là-bas. Là, il y a clairement une entrée. Même la barrière là-bas, elle est ouverte. Là, on est sur le côté de deuxième bâtiment. On fait le tour pour voir s'il n'y a pas une entrée. Parce que du coup, le but d'un urbex, c'est rien abîmer. Rentrer par où c'est ouvert. Donc voilà, des fois, faut chercher. Faut chercher où c'est ouvert. Et puisqu'il y a des tags de partout, que c'est exploré régulièrement, il y a toujours un endroit qui est ouvert. Sur les murs, il y a des noms. Monsieur Lacaille, si vous voyez votre nom. Putain, on passe dans les chemins les pires. Bon là, j'arrive pas à lire.
Monsieur le portier. Il y a vraiment des gens qui s'appellent le portier. Monsieur. Non, Mel. Oh, je sais pas. C'est mon avis. Eh, mais on passe par les égouts. Oui, bah oui. Regarde, on passe là. Qui va ramper en premier? Je crois que tu ressors là. Non, mais vraiment, je crois que tu ressors là. Tu ressors là, hein? Eh, mais attends, mais en plus, tu peux respirer. Il y a des trous d'air, c'est bon, tu peux respirer. Ouais, c'est sûr que tu ressors là. Eh, mais c'est ce que je disais, t'as vu, avec tous les arbres là. Je pouvais grave faire de l'urbex extérieur. Et tout est où? Dans le même secteur? Non. Bon, du coup, ce bâtiment là, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'entrée, donc on va se focus sur le bâtiment principal. Ok, bah update, on a fait le tour des deux gros bâtiments. Ils ont tout condamné. Donc, on va aller dans d'autres lieux. On a plusieurs adresses, on a 4 adresses. Et du coup, on va aller dans d'autres lieux. Et puis, on va voir, hein, au petit bonheur la chance. Hein. Donc, le premier lieu, il ressemblait à ça. Et après, il y avait ça aussi à l'intérieur. Ça c'était à l'intérieur? Oui, avant. Et c'était des grosses machines de quoi? Je sais pas. Putain, on dirait des égouts. Nous voilà maintenant arrivés devant le domaine Ariane, aussi appelé Simca, ou même la ferme du Minotaure. Alors là, je pense que ça va être dinguerie, let's go. Changement d'ambiance, il fait nuit. Parce qu'en fait, on a visité plusieurs adresses. Sauf que bah, de l'urbex, c'est aussi ça. Faut, en gros, on a des adresses, sauf qu'il faut vérifier. Souvent, c'est des trucs réhabilités. Ou surveillé par des caméras ou des trucs dans le genre. Donc faut respecter quand les lieux ils sont inaccessibles, faut pas forcer. Donc c'est ce qu'on a fait. Là on est sur une nouvelle adresse. Je pense qu'on peut rentrer, il y avait déjà une barrière ouverte. Et puis voilà. Donc go découvrir. Et du coup d'extérieur déjà, on voit une maison comme ça. Donc là c'est une maison, hein. C'est pas une entreprise. C'est une maison abandonnée, sauf que... Là, ça doit être une dépendance. La vraie maison est juste là. Voilà. Il y a un escalier et tout. La vraie maison. Et là, il y a encore une dépendance. C'est géant. Donc la barrière, elle est ouverte là. Donc apparemment, c'est la jungle. Et de toute façon, on va pouvoir... Eh les gars, c'est par ici, hein. Ah non, c'est clairement par ici qu'il faut passer. Hein. Là, il y a un chemin qui est... Il y a un chemin qui est fait. Et là, tu peux déjà aller dans le premier bâtiment, en fait. Ah oui. Dans celui-là. Vous, gaffe, vous aviez pas vu? Oh, c'est coussou. Bon, déjà, c'est clairement une dépendance. Je croyais que c'était la maison principale, ça. Et au final, non, c'est une dépendance encore. Comment ça, il y a des chaînes? Oh waouh. Ok. Apparemment, on peut rentrer sans souci. Ok, on est bien dans un vrai urbex là. Il y a une roue, il y a une bouteille de vin, il y a des pots de peinture. C'est quoi tout ça? Mais c'est quoi tout ça? Mais venez voir. Mais oui, venez. C'est quoi tout ça? C'est des cages à... c'est des aquariums? Quoi? C'est des aquariums? Mais attends, c'est cool. Oh, il y a plein de néons, il y a des aquariums, il y a... Déjà, il n'y a pas de chauve-souris. Waouh, ouais, j'ai capté dessus. Quoi? Hein? Mettre là-haut. Wow. Ouais, là, faut faire gaffe, là. Là, c'est... Là, c'est tendax. Il y a une assiette. Il y a une assiette juste... Juste là, là. On se fait qu'il y a une assiette dans le plafond. Mais c'est quoi ça? Ouais, bah si on va monter, on pourra pas se monter. Non, ici tu peux pas monter, impossible. Non, pas ici, mais regarde, mais c'est des aquariums. Je crois que c'est des aquariums, hein. Et oui, c'est des aquariums. Mais moi qui se faisait une salle. Bah je dirais même des terrariums. C'est quoi? C'est enfin, pour les serpents. C'est pour tout ce qui est reptiles. Des rampants, des reptiles. Tu mets encore les cailloux et tout de... J'ai sorti le mec, c'est une salle d'aquarium. Comment ça la batterie est déjà rouge? La batterie de quoi? Ma lampe. Moi je vais recharger mon partir. Ah bah comme par hasard. Après si t'as besoin je te le... On va voir la suite. Ouais, ça fait très bien, il y a du verre partout. Ça fait bien pour... Ah t'as vu, t'as une...
Une remorque? Oui. Oh mais oui, une remorque. Là, je suis en dessous. C'est un escalier là, non? Oh, c'est cool ça, oh, pas trop bien. Il a dit mettez votre capuche. Et toi l'araignée, il y a plein de pneus là. Oh c'est ça. Oh la dinguerie, c'est ça. On y va. Wow. On avait vu que des dépendances. Et on était déjà wow, de l'urbex. Oh l'urbex. Oh Pierre, tu veux trouver une dinguerie? Une voiture, je crois que c'est une coccinelle. Que? Non. Je te jure. Oh, regardez la barre. Oh, bon, vous la verrez après. Oh les gars. Oh la voix. Oh la dinguerie. Oh la voiture de collection. Oui. Oh, l'ancêtre. Oh c'est dingue. Je suis heureuse. Oh. Attends mais... Oh c'est incroyable. Elle est ouverte? Je crois qu'elle est ouverte. Je sais pas si c'est votre voiture. Oh la dingue. Oh. Non, abuse pas. Ça se trouve elle roule. Oh la... Mais wesh. C'est la voiture tard le film avec... Ah. Ça arrive. C'est écrit quoi? C'est écrit. C'est écrit quoi? Stup. 2. Ah, c'est en anglais. Mito. Non, non, mito. Quoi? Contrôle de stup. Mito, contrôle de stup. Par contre, elle est en très bon état. Enfin. Ouais. Ouais. Bon. Mais c'est la voiture de Louis de Finesse, je suis mort. C'est incroyable. Déjà, mais juste ça, je suis content d'avoir galéré pendant je sais pas combien de temps à trouver des adresses. Par contre, en fait, il n'y a plus de moteur dedans, les gars. Ah ouais? Il a été retiré, ouais. Qui c'est? Elle est magnifique la voiture, je suis choquée. Ça roule. Ah ouais, c'était un pommeau de douche. Un pommeau. Elle a cru que ça, c'était un pommeau de douche. Juste avoir vu cette voiture de nos propres yeux, c'est incroyable parce que vraiment, genre, elle est née avant nous la voiture. Ouais. Mais elle a quelle année? Mais justement, viens, ouvre le coffre pour voir. Quoi? Viens, on ouvre le coffre. C'est pas dans le coffre normalement, c'est dans le. Non, mais viens, on ouvre le coffre pour voir. Bah, ouvre le coffre. C'est marqué dans la voiture. J'espère qu'il y a rien dans le coffre. Encore. Et ça coûte. Ça coûte. Simca arrière. Nous, on la rachète. On la prend et on la vend. Ouais, ça s'appelle du vol. Ah. Eh, c'est un truc de cheval. Ah, c'est celle-là. Ouais, non, c'est une chambre arrière. Oui, putain, elle avait un carrosse. 1957. Ouais. Quoi? Il avait un carrosse. 1957, la voiture. Ah, mais c'est un vieux qui était dedans. Mais ça, c'est un attends. Carrosse. Ouais. Eh, il avait un carrosse. Mars 1957, la voiture. Ben, regarde le carrosse. C'est une dinguerie. Ouais, là, il y a une roue de carrosse, là, juste là. Ça, je sais pas. Imagine, on voit un truc de cheval. Ah, c'est pour ça que là-haut il y avait des trucs attachés et tout, des épisodes. Vas-y, ouvre le coffre. Oui. Avancez vers le coffre. Non, mais il faut la clé pour ouvrir. Non, il est ouvert. Non, c'est ouvert. Ouais. Bah, à mon avis, s'ils veulent pas que ça soit abîmé, ils ont laissé ouvert, tu vois. Parce qu'il y en a, ils forceraient. Comment tu l'ouvres? Ah non, il faut la clé. Ouais, je vais. Ah, t'as pas un bouton? Ah, peut-être de l'autre. Ah, bah, regarde, il y a le truc là de la voiture. Oh. Ah, non, ok, c'est pas comme devant. Ok, bon. On va voir la, ah bah la là, maison. Oui, hein. La maison elle est énorme. Wow, il y a un nid d'oiseau là-dedans. Mais non. Je te jure, il y a de la paille. Attends. Mais non, la paille ça constituait le fauteuil avant. C'était comme ça qu'ils faisaient des fauteuils. Non mais vraiment là par contre, vous êtes pas près de la maison. Alors au début, je vous ai fait voir l'extérieur, je pensais qu'il y avait que ça. Et au final, c'est un domaine, c'est un manoir. Je suis choqué. On a trouvé un lieu incroyable. Donc là, ils rentrent dans une dépendance. La porte d'entrée, elle est complète. Mais là, les gars, mais regardez. Elle est incroyable. Par contre, elle fait flipper. La porte d'entrée, elle est grande ouverte. Oh, ça fait flipper. J'aime pas la fenêtre du grenier. À tout moment, je vois quelqu'un et je me pars en courant. D'ailleurs, j'ai peur de tourner le dos à la maison. C'est bizarre. Cette sensation. Moi aussi, j'ai peur.
J'ai trop peur de tourner le dos à la maison. Oh, ouais, mais bah, c'est pour ça que je voulais pas t'en dernière. De quoi? Oh, arrête! Putain, je me fais peur! Regarde, on dirait un mort. Ça ressemble juste à un cheval. Chelou. Même pour ses bêtes, peut-être les animaux. Eh, mais attends, t'as plein de sel et tout. C'est quoi, on voit des os de cheval et tout? Des os de cheval. Mais non, pas comme... c'est ta connerie, l'os de cheval. Il est bon? Ok. Qui est de là-bas? Attends, j'essaie de me faire un chemin pour avoir une vue de ce qui se passe. Ah oui. Bah oui, non mais il a abandonné tout, mais pas les chevaux quand même. C'est du chocolat en poudre, ça? Oui, la marque Poulain. C'est drôle de trouver du poulain dans une écurie. Parce qu'un poulain, c'est un petit cheval. Mais putain, mais crache, je pense à... Un poulain, c'est un bébé cheval, non? Bah oui, c'est chelou. Mais ça doit être sur cette bête. Ou là, il y a une boîte de conserve, là. Elle est pleine encore. Oui, elle est lourde. Les gars, en fait... Ah, elle est ouverte. Vous me faites attendre, mais j'ai trop hâte d'aller dans la maison. Moi aussi, vas-y, go. Mais par contre, elle est ouverte, moi, j'y vais pas. Nico, je sais pas. Eh, on est trois. Bah, Nico, ou Piwer. Allez, go, go. Trois meufs. Ils me font attendre, mais moi j'ai qu'une hâte. Depuis que j'ai vu la maison, je veux aller dedans. La porte elle est grande ouverte, bordel. Bon, du coup, là il y a une suite d'écuries. Il y a encore oh, il y a un chemin. Non, bah c'est la suite. Mais attends, il y a encore une résidence. Il y a encore un bâtiment. T'as vu, je suis le chemin. Pourquoi il a pas fait tourner? Oh, la maison. Dans la maison d'abord. Ouais, viens, on va dans la maison d'abord, B. Oh, y'a un pouf! Tu veux y aller d'abord, B? Quand tu veux. Vas-y. Quand tu veux, B. Vas-y, B. Eh, oh! Moi, je passe au milieu. Comme ça, on reste incognito si on s'appelle B. Oh. Ah, c'est bon, on est dans un vrai truc d'urbex. À partir du moment où il y a ces dessins là, les gars, vous êtes sur un bon lieu. Ouf, il faut chier avec ça. Vraiment, genre, il y en a, ils vont dans tous les lieux juste pour faire cette peinture. C'est pas les dates. Oh. Oula. Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas l'air très solide. Je suis choquée, faut vraiment que je filme et tout. Oh, ça n'a pas l'air très solide tout ça. Les armatures au plafond et tout. Les fresques. Le rideau comme ça. Il s'est flippé. Les gars, je sens que cette visite. Si vous êtes plutôt peureux, allumez la lumière de chez vous. C'était le dôme? Ouais. Pourquoi? Il y a des prises de sang. Les prises de... Oh, c'est la cuisine. On se cache, il y a plein de papiers là. Tu nous fais visiter? On peut marcher ici. Oui, il y a des notes de musique. C'est quoi une dame? Bah, il y a des prises de sang. Oh! Oh la photo! Oh la photo, ça fait bader. Ouais, ça fait bader. Oh, tout le lieu il fait bader. Attends, c'était grave religieux ou c'est moi là? Bah, souvent, quand c'est ancien. On l'a pas attendu. Tu nous fais des pâtes? Carrément. Bah, vite fait, genre. Pas de carbo, comme le ça, temps qu'on vit. Oh, cherche, je t'en fais une. Oh! Mais non, écoute, je vais aller faire ça. Que tu vas. Que tu vas bien. Oh non, je te jure. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont arrêté de regarder la vidéo à ce moment-là. Vas-y, je te suis, Béo. 40 francs. 40 francs de. Bon pour des palmes olives, c'est pour se laver les mains. Du prompt du vaisselle. Oh, et ça date, hein. Oh, c'est super. Les francs, ça date de 2001. Oh, regarde, il y a une photo du. 2001, les francs. Ouais. Il y a une photo de Jésus. Attendez, il y en a qui s'éloignent. Mais regarde, il y a des photos de famille. Oh, j'aime pas cette pièce. Regardez là, le prix, la date sur ça. Sur ça. Oh, il y a des bottes. Oh, j'aime pas cette pièce du tout. Il y a du moisi au plafond, les gars. Quelqu'un a la date d'abandon de la maison? Non, à mon avis, on l'aura après. C'est pour ça que vous regardez les dates. Ouais, j'aimerais bien savoir la date d'abandon de la maison parce qu'il y a de l'humidité, vous commencez à dégrader. Ça m'étonne qu'il y ait encore des trucs sur place parce que à mon avis, c'est abandonné depuis hyper longtemps. 1991, les examens. Ah ouais. Mais ça veut rien dire. On a regardé tout aussi.
Quoi, rien? J'ai cru que ça allait bouger, non? C'était arrête de... Folle. De toute façon, il n'y a pas en dessous. Il y a une bouteille, là. Oh, les gens, la petite vie... La petite fenêtre, là, me fait bader. Le rideau, il est arraché. Il y a des mégots. Eh, mais par contre, ça, on est vraiment sur un truc de tard l'époque. Quoi? Oh, mais fais attention! Oh, je me suis pris sur la tête! Mais c'est dangereux, imagine, ça tombe! Bah ouais, bah j'ai pas fait exprès! Y'a du caca d'humain! Du caca d'humain? Avec du papier! Vraiment. Non, mais vraiment, avec du papier chiotte et tout! Il y a Noël 1986! Noël 1986! Non, mais regarde! Ah ouais, ils sont vraiment de taille! Hein. Oh, ça fait vraiment ça! Y'a un nid trop lourd, regarde, y'en a partout, Piwer! Où? Il y a un nid pas là, on a une... Ah ouais, mais... Va pas trop loin parce qu'il est... Il y a même une abeille là. Comme il fait la taille de mon pouce. Regarde la grosse araignée là. Où? Oh non, non, arrêtez les clés. Je vais pas dormir ce soir, moi. Je bouge. Oh non. Il y a quoi là? Du coup, après la cuisine, c'est... Il y a la cuisine. Me laissez pas tout seul. Hé, il y a quoi ici? 1998. Ouais, donc à mon avis... Oh, décembre 1998. C'est carrément un calendrier. Par contre, il y a beaucoup de trucs de notes de musique. Les prises. Alors ça, c'est plus homologué, les gars. Il faut changer les prises. Hein. Non, mais il faut changer les prises. Ils sont pas, ils s'en foutent, eux. On se prend un coup de jeu. Il y a rien aux normes. Donc, il y a un ciseau. Il y a toutes les maladies dessus. Il y a toutes les maladies de la guerre, de tout ce que tu veux. Pour des araignées. Par contre, pourquoi il y a un rayon? Il y a une gazinière là avec un four. Attendez, j'examine le plafond, voir si on peut aller à l'étage quand même. Parce que... ouais, j'avoue que. Il va falloir mettre un pas devant l'autre. Bon, je pense que c'est comme ça que tout le monde marche, mais il va falloir faire gaffe. Les clés quoi? Par contre, c'était vraiment porte ouverte. Putain, mais quoi? Il y a une grosse araignée, elle est énorme. Non mais. Oh putain! Non, vas-y, c'est bon, moi je suis. Arrêtez de. Éclaire-la, Nico. Nico, s'il te plaît. Éclaire-la. Oh, il y a des trucs comme ça partout. Oh, son œil. Oh, le mec. Oh, les cachettes sur les escaliers. Oh là. C'est comme dans les Simpsons. Alors. Voilà, attends-moi. Ici. Oui, je t'attends ça. Là. Parce que c'est pas un crème de beauté. Régnant encore. Elle est énorme. C'est un peu vieux ça. En plus, on peut monter s'il vous plaît, on peut monter s'il vous plaît. Oui, j'ai pensé hard. Pourquoi? Il y a des lits. T'en fais tout, le lit et tout. Chut, c'est même moi. Il est chelou ça, non? Oh, le sol il est correct. Oh, le sol il est. Oh, les armoires tard l'époque. Eh, mais tu peux pas la sortir celle-là. Ah, bah, la taille du plafond. J'ai trop peur. Oh, y'a un mal. Oh, y'a une porte là-bas. Je voulais ça, j'ai besoin. Oh, ça fait trop flipper. Vous jouez là? J'ai trop peur. Oh, y'a un lit porté. Il y a quoi? Mais attendez-moi. Mais c'est plus là-bas qu'on fait ça. Salle de bain. Ok, c'est donc. C'est vrai que ça a pas beaucoup de ce côté. Eh, mais c'est des suites. C'est des suites. Ça fait beaucoup. C'est une suite parentale. Regarde, salle de bain. La toilette, quoi. Il y a quoi? Oh, c'est quoi? Il y a une chambre. Non, mais attends. Mais oui, non, viens, on reste tous ensemble. Bah, viens. Attends, Nico, arrête pas! Lui, il me regarde trop mal. Et toi, regarde ta mère! Tu es Nico, ça! Je suis pas claustro, mais. Mais lui, pourquoi son œil il est sur le rideau? Il a un œil sur. Non, en fait, je peux pas, je suis sur sa toile. Tu veux passer? Ouais, parce que. Pour tâter le sol. S'il te plaît. Oui. Elle avait des. Je suis super bien passé. Il y a des toiles d'araignée. Il y a des toiles d'araignée, du coup, j'y vais pas. Quoi? On peut venir ou pas? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon, on a enlevé l'étoile d'araignée. Oh, il y a un lit. Pour les personnes âgées quand elles. Mais frère, qui dort là? On peut monter? Qui dort là, frérot? Bah, qui... J'attends le pied, avance. Avance sec. Oh, c'est cool ça. Mais regarde son œil, il est.
Son œil, il est fait sur le rideau. La chaise, elle a plus de pieds. Oh, ouais, elle a pas de pied. Ça, c'est peut-être un truc de lecture. Il lui manque le pied de derrière. Mais qui dort là, là le lit, il est ventré. Bon, on va voir rouge, après. Là, on est monté, je vous ai fait voir la première. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai eu trop peur. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait bouger l'ombre du. Ah. L'ombre du piquet. J'ai fait bouger l'ombre du piquet, j'ai cru que quelqu'un montait. Oh, je suis vraiment une grosse merde. Il y a quoi dans l'armoire? Il y a un bonnet. Bon, laissez-moi rentrer. Il y a un manteau. Il y a un miroir. Ah, on peut pas rentrer, d'accord. Là, si, rentre. Il y a un miroir, mais il est pas cassé pour une fois. Il y a de la peinture blanche. Voilà. Ok. Ok, ah, en fait, le lit il est direct là. Ouais. Hello. Lundi 23 juin 1969. La date elle est là. Faites attention hein, quand vous marchez, regarde quand tu vois les marches. Non, par contre, l'étage là, par contre, il faut faire gaffe. On peut monter. Non. Après, on peut monter dans les marches. C'est quoi la porte? Eh les gars, la porte, je croyais qu'il y avait une porte et une autre pièce. Mais non, en fait, elle est juste posée. C'est une fausse porte. Par contre, le lit il fait bader. De se dire qu'il y a des trous comme ça. Mais ouais. C'est ça, c'est des lits dans les années 50. À mon avis, chercher l'argent dans le lit. Ouais, c'est ça, sûr. C'est un truc de coupe-chou, ça, pour se raser. Pour que c'est poison. Ah, mais ouais, t'en voulais. Regarde la table de base. Enfin, la table de chevet. Ouais, c'est une table d'hôpital. Ouais. Les premières tables d'hôpital, ça. Putain, j'aimerais bien savoir quand même combien de temps ça fait que c'est comme ça. On check vite fait. Souvent, les escaliers, c'est ce qu'il y a de plus solide. On y va, mais on s'écarte. Ah, mais c'est toujours pas possible de marcher. On avait tout découvert. Ah, il fait vachement frais là. Ouais, c'est vrai qu'on s'en est. Les fenêtres, elles étaient ouvertes en haut. En fait, c'est que j'ose pas monter avec Sarah. Oh, le bordel. Ok, là, c'est ondulé, du coup, je veux pas trop trop. Je vais trouver juste un point d'appui. Ça vibre, ça tourne. Oh, le grognon, bordel, sa mère. Oh. Ok, là, je vais prendre un point d'appui. Je vais prendre des points d'appui sur le côté. Non, mais là, parce que tu vois, la marche, c'est solide. Il y a une porte encore. Oh, il y a un placard en fait. Il y a un placard là. Tu m'envoies ou pas moi? Non, merde. Il y a trop de bordel. J'ai jamais vu autant de bordel dans, un dans une maison urbex. Je suis pas allée. Bah, moi je propose qu'on descende là. Allez. Eh, mais je m'attendais pas à autant d'étages. Hein. C'est bien affaissé là, ici. Ouais, bah, ouais, faites gaffe, moi je marche sur les côtés. Moi je mets mes pieds sur les côtés. Ce lieu est incroyable. Vraiment, ça méritait les. Vas-y. Tous les kilomètres qu'on a fait, tous les lieux qu'on a. On en fait d'autres ou pas? Qu'on a visité, qu'on a. Bah, au final annulé parce que bah, c'était plus accessible à l'urbex. Oh, c'est géant! Ouais. Oh, c'est profond, j'irais une salle des fêtes! Regarde, ils ont plein de trucs de boucherie comme ça. Moi, je suis sûr qu'ils ont un abattage. Non, je suis. Un abattage. Il y a moyen. Oh, mais oui. Il y a plein de trucs de polysirène là. Après, peut-être qu'ils donnaient les chevaux, mais c'est bizarre. Non, mais c'est bon, c'est où ils ont fini les chevaux, ils ont fini en barquette. Ah non, les pauvres. Bah, oui, on a barquette. Ouais, mais là, il y en a plein. Mais bim, là, putain, dans les cartons, il y a que ça. Non, je sais pas où ça. C'est peut-être pour ça, la grande, elle est peut-être chez nous. Attends. Mais attends. Non, mais tu moutes? C'est le roux. C'est écrit le roux sur toutes les boîtes, je comprends pas. Tu moutes, il est basse. Non, allez, j'arrête. J'arrête. Plus des commandes. Ouais, c'est jusqu'au ça. Mardi. Ouais, c'était un truc des bails d'oiseaux et tout. On, 11 avril, combien? Quelle année? De 2000. C'est pas marqué. Si. T'as des trucs de 2000? Ah, celle-là. 00 mai 2000. 2000. Ouais, 2000. 21-06-2000. Et là, c'est des trucs d'oiseaux. J'ai dit que ça datait d'au moins 20 ans. Ouais. Puis ouais, là, c'est un truc d'oiseau. Ah ouais. Ok. Et donc, on a, on a des factures de 2000. Ouais, et ça fait. On est passé 2000. Quand même de 1979 Plante à 2000. Plante aquatique, j'étais même pas née. Il y a un autre truc à côté, viens, on y va. Il y a eu du trafic d'animaux, c'est sûr. Moi, je pense que c'était les gars parce que. C'est pas du trafic d'animaux, c'est juste du commercialisation, la commercialisation de viande d'animal. Je pense que c'est juste ça le délire. Il y a encore des chemins là, pourquoi? Non, je veux pas y trop y aller. Ouais, il est plus badé lui. Wow. Quoi? Pourquoi les lumières éclairent en bleu? Wow. Tu passes en premier?
Bah regarde frérot. Regarde le pantalon. Ça fait bader. Oh on aurait dit un buste de cochon ou quoi là-bas. Une corde cochon là par terre. Ouais. Où ça? Là on aurait dû. Ouais. Moi ouais, je la porte, elle fait vraiment bader par contre. Oh j'ai un coup. Par contre tout est vraiment vert. Regarde, il y a des trous. Toujours de la paille. Des terriers. Ok. Il y a quoi là? Ah mais oui, c'est ce que j'ai fait d'abord, il dans sa chambre, je sais plus où. C'est des nids d'oiseaux ça. Hirondelles, non? Bon. Bah là, vous m'avez fait baser. C'est du trafic de corps. Il y a une autre pièce là. Comment ça il y a une autre pièce? Comment ça, ça s'arrête jamais? Oh mais oui, il y a un rail là. Oh attends. Il y a plein de box. Des box? Je te jure. Ah, c'est... s'il y a des box, c'est des lapins peut-être. Ah, la lumière elle est un peu plus aux normes que dans la maison là. Oh, mais tu comprends pourquoi là? Bah, tiens, il y a une ampoule. Oh, mais c'est quoi ça? Ah non, c'est des box de cochons ou. Bah, sûrement de lapin. De joie, on a eu le refus. Par contre, faites gaffe, le plafond. Ne. Mais stable pas ici, s'il te plaît, on a l'entrée. C'est une dinguerie. Ah, il pouvait même monter au-dessus. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Non, tu peux pas monter au-dessus, c'est juste que le dessus est en train d'arriver au rez-de-chaussée. Mais si, regarde. Mais oui. Puis là, t'as un truc qui descend comme moi, ça. Moi, je pense pas, là. C'est mais c'est quoi ça? Il y a une sortie encore. Ah, mais je sais pas, mais regarde, c'est ça, je limite. T'as un volet un peu. Oh putain. Je suis en train d'avancer, mais ça me fait trop peur. Mais wesh, il y a encore des trucs, il y a encore deux box. Oh mais un étoile. Quoi? Il a du pas. Mais ça se finit. Ça se finit jamais. Mais wesh. Il y a des aquariums et tout. Putain, il y a encore des aquariums. Et regarde, il y a des oiseaux. Tu vois, je t'ai dit que monter en haut, en fait, vous devez stocker plus. Il y avait des oiseaux. Wesh. C'est quoi le fil? C'est énorme. Mais attends, mais le domaine il est énorme. Ouais, par contre c'est une dinguerie. Par contre il devait faire autre chose, il y a des présentoirs. C'est quoi ça? Mais wesh, ouais, c'était un magasin? Eh, ça se trouve c'était une ancienne boucherie hein. Mais oui, il y a des pieds. Mais oui, c'est une table de pieds. Oh, je prends tous mes téléphones et mes iPhones. C'est dingue. Regarde ça. Eh, mais on peut sortir dedans. Rien, regarde. Eh, mais t'as vu tout le foin qu'il y a là? Wow, hey, le foin ça vaut une fortune. Je pense qu'ici c'était le coin vente. Parce que devant il y a un panneau. Là il y a un panneau. Il y a encore un canon mais bon, ça sert à rien, il est là. Ouais, il y a un panneau. Bah là il y a un panneau. Ah, ils vendent des croquettes. Pour chiens, je crois. C'est des chiens. Oh, regarde le gros truc de chien. Mais attends, mais il y a encore des bâtiments. Oui, j'ai encore des bâtiments. Non, pour devant. Oui. Mais il y a encore des bâtiments. C'est sûr, on peut voir des cadavres. Non. Mais arrête de dire des cadavres. C'est un abreuvoir ça. Pourquoi avec des cadavres elle? Je sais pas, les cadavres. T'es chelou. Regarde le bâtiment là. Ouais, oui, c'est un genre, je me suis piqué. Ça, c'était des trucs où il y avait des chiens, tu dis? Peut-être. Bah, s'ils vendaient des trucs, c'est quoi ça? Il y a pas notre croquette là, il y a un sac de croquettes. C'est la fin là. Bah, peut-être, hein. Peut-être pas. Bon, bah, on se barre. Avant de voir une tête par la fenêtre. Ouais. Ouais, le chemin qu'on prend pour accéder au truc. Les gars, on repasse voir la voiture. Vraiment. Vraiment incroyable. Dites-vous qu'il y a cet endroit abandonné où il y a une voiture de ouf comme ça. Et du coup, vous avez kiffé? Ouais. Ouais. Ouais, c'était pas mal. Hein. Franchement, ça va aller. Non, après, on est tombé sur une bonne pépite. Non, c'est grave. Bien de voir. Enfin, de base, tu vois, tu m'as dit maison. Moi je pensais que c'était une maison banale, mais en fait c'est plus qu'une maison, c'est un manoir. Ouais, limite c'est le domaine. Parce qu'en fait ils ont marqué manoir. Même, sur, même comme elle dit, un domaine, puisque t'avais vraiment énormément de trucs et tout. Ouais. C'est pas une maison ça. Du coup, pour ce qui est du manoir, des fois on trouve des trucs comme quoi ça serait hanté, mais bon, nous on n'a rien vu de bizarre. Et après, par contre, sur la plupart des renseignements qu'on a, ça daterait d'il y a au moins 15 ans l'abandon. Ça serait suite à un décès tout simplement. On a vu pas mal de vidéos où il y avait beaucoup plus de trucs,
où c'était beaucoup moins le bordel. Donc en fait le lieu a été vraiment beaucoup saccagé. Ça, malheureusement c'est beaucoup sur des lieux abandonnés, c'est beaucoup le cas. Mais du coup voilà pour les infos qu'on a sur ce domaine. Bon du coup comme vous avez vu on a fait un échec. Après on a fait d'autres échecs, j'ai pas filmé parce qu'il y avait rien à voir tout simplement. Et par contre on a fini par cette pépite, hein. Cette pépite, le manoir était vraiment canon, la voiture super surprise. Franchement on a kiffé. Là on est rentré, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, elle prend fin. On était avec, avec la team. Et puis moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Je live sur Kick, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon Kick. Et puis voilà, Zoubi la team.